On va prendre un petit foulard. D'accord ? Je fais de l'impro aussi, j'ai fait de l'impro. Prends un petit foulard, tu peux toucher si tu veux, regarder. Et normal. Tout à fait ? D'accord. Alors regarde bien, on va prendre le foulard. Hop. On recommence. Et on fait juste ceci. On met la main. On le fait disparaître. Juste avec un peu de poudre. On met bien dedans. Regarde bien. Hop, souffle. Il disparaît. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est que je vais le récupérer dans les airs et on va le faire et apparaître quelque part. Est-ce que tu es d'accord ? Ok. Alors regardez bien. Je vais prendre deux autres foulards. Deux autres foulards. Moi, ils sont mis ceux-là. C'est bizarre ça. Deux autres foulards. Voilà. Donc, on prend deux autres foulards. Je vais les attacher l'un à l'autre. D'accord ? Pour l'instant, c'est à côté de moi, tu vois tout. Et ce que je vais te demander de faire, sans vouloir abuser de la situation, c'est juste de monter ton petit haut, que je puisse mettre ça ici. Voilà. Comme ça, tu verras, je ne triche pas. D'accord ? Voilà. Ce que je vais faire, Amandine, regarde bien. Hop. J'attrape le foulard rouge qui est de tout à l'heure, et je le mets entre les deux. On ne croit pas. Mais si, pourtant, c'est bien vrai, regarde. Si tu prends ce foulard, attends, et que je prends ce foulard, logiquement, à chaque fois, ça marche, et que je tire dessus, on va tirer tous les deux dessus, d'accord ? Le foulard rouge va se trouver au milieu. Est-ce que tu es prêt ? On va tous compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et on tire. Merde. On dit, je suis... Ça t'a marché, je suis vraiment... Je l'adore, elle est super, c'est un poste. Super. Tu veux t'asseoir deux secondes ou pas ? Non, non, mais je n'ai pas peur. Oh, oui, bien sûr. Regarde, ce que tu fais, Amandine, c'est que tu prends une belle inspiration. Hein ? Tu veux pas ? Oui, je fais pas. Ok. Pour respecter les gens qui dorment. Vas-y. Non. Regardez bien. On va faire ce dernier tour de magie pour dire au revoir. Merci d'être venu. Vous êtes super sympa. Alors, on va arranger ça vite fait. Voilà. Tu veux les confettis encore ? Oui. T'es sûr ? Vous allez en avoir, regardez bien. Il y a un bon paquet en plus. On continue un petit peu ou pas ? Oui ! Ah, vous êtes. Bon, allez ! Avant de faire le final, encore un dernier tour qui me reste sur le côté. Qui veut monter ? Comment tu vas, là ? Le grand là-bas ? Très bien. Ah non, il est trop grand. C'est très grave, voyons. Je me prépare en attendant. J'arrive de vous faire danser les jeunes, parce que... Comment tu vas, tu vas bien ou tu vas moins bien? Tu vas bien? Dors. Bon, c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour magie ensemble, Thomas. J'ai... Avance-toi, parce que je vois pas bien de loin. Un jeu de cartes, d'accord? Tout à fait normal. Mais non, pas encore. Faut suivre les enfants, faut suivre. Je le mélange. C'est à l'école, ça prend les noms. Ouais. Donc, les grands, tout ça, sont venus prendre des cours de cartes, tout ça. Sympathique. C'était bien ou pas bien ? C'était bien, merci. Moi, je me rassure. Je sais pas, il y a la patronne encore ici, là. Si... T'as entendu que c'était bien. Donc, tu prends la première carte qui se trouve dessus. D'accord ? Tu la regardes bien, tu la mémorises bien. Ouais, elle te plaît ? C'est quoi ? Si, tu peux le dire. Non. Ouais. Un 10 de cœur. Donc, tu montres ta carte à tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un 10 de cœur. D'accord ? Je remets au milieu. Et là, je vais faire un tour de magie formidable. Je vais, par télépathie, trouver la carte que tu as tirée. Ça marche pas tous les coups. Hein. Bon, c'est pas grave.
J'aime bien rigoler. Un petit foulard. Tiens. On dit que toujours que... Est-ce que t'es bon à l'école? Ouais. Bon, alors, bah, toi, ça c'est un sac magique qui dit si t'es bien ou pas bien à l'école. Tu vois. D'accord? Il y a rien dedans. Ce que je vais te faire, c'est que toi, pensez très 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 fort à ta carte, c'est-à-dire le 10 de cœur. Et le 10 de cœur va s'imprimer sur le foulard. D'accord? Tu penses fort, parce que si t'es bon à l'école, tu dois y arriver. Donc, comme cet après-midi, les magiciens, ils font pouf, pouf, pouf. Secoue un petit peu le foulard, vas-y. Et tu mets l'intérieur. Voilà. Là, tu es un bon magicien. T'en mets ta main. Sans foulard, ouais. Et là, tu vas penser très fort à ta carte. Dès que tu dis que c'est bon, je prends ta pensée, je la mets dans le sac, et on va voir si t'es costaud. D'accord? C'est bon? Souffle. Ah, je peux y poster les gars. Je suis méchant avec toi. Et là, tu prends ta carte, ton foulard. Et est-ce que t'as... Toi, faut penser beaucoup plus fort. T'as imprimé la montre à tout le monde, parce qu'ils ne voient pas tous. Toi, t'as imprimé, mais t'as pas le 10. Vas-y, remets dedans. Voilà, merci. Tu vas repenser très 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 fort. C'est bon? Regarde. Souffle. Ah, ça c'est bien. Tchouf. Vas-y. Et là, il est très fort. Bravo. Tu peux pas la bise, mais tu fais la main. Bien, allez, bien les tours de magie pour vous faire plaisir. Et on arrête. Petit coup de musique. Des confettis, tout de suite ou après? Après. Tu viens ce soir, c'est fouillé. Allez, bon, on continue. Une petite musique. Qui veut monter sur scène? Petite musique.